Bonjour Noélie. Bonjour Fabula. Donc aujourd'hui nous sommes au séminaire Parler pour closer auquel tu as participé. Oui. Avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et les bénéfices de ton service? Bien sûr. Bonjour, je suis Noélie Mankato, fondatrice de la société OSF Consulting qui est spécialisée dans le conseil en financement. Je suis conseillère en investissement financier indépendante. Je travaille avec des partenaires solides qui sont présents sur le marché depuis plus de 25 ans pour pouvoir accompagner ma clientèle, les accompagner pour sécuriser financièrement leur avenir grâce au patrimoine que nous allons constituer ensemble en fonction de leurs besoins et leurs projets de vie. Et donc, tu viens de passer 2 jours au séminaire Parler pour closer. Qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire? Qu'est-ce qui m'a incité à m'inscrire? Tout d'abord, à savoir que Farida, je te connais, ça fait pas longtemps, mais déjà la curiosité de découvrir qui est Farida, étant donné que j'avais déjà fait un autre programme avec toi, le déblocage financier. Donc du coup, c'est vraiment mon envie d'aller à un autre niveau, au niveau supérieur, qui m'a incité à m'inscrire. Et donc justement, tu as aussi fini le programme Activer sa puissance d'action. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as retiré de ce programme? Qu'est-ce que ça t'a permis finalement de mettre en place? Ce programme est vraiment très intense. Pour moi, ça m'a permis déjà de me découvrir, hein, parce qu'on pense qu'on se connaît, mais vraiment profondément, très, très, très intime. Enfin, ça m'a permis à moi de découvrir qui est Noélie, le travail que je dois faire pour aussi avancer, aller de l'avant, et me rendre compte que si je veux aller de l'avant, la discipline, il faut appliquer tous les enseignements que tu nous as enseignés. Ce n'est pas le tout, en fait, de les savoir, maintenant les mettre en pratique dans mon quotidien pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés. Super. Et donc, souvent, avec le coaching, il faut un investissement financier, un investissement de temps. Tu es aussi une maman et tout. Donc, qu'est-ce qui, malgré les hésitations, les doutes, t'a quand même donné envie de sauter le pas? Pour moi, c'est mon envie de réussir. On a envie d'exceller dans mon métier, vraiment d'avoir la maîtrise, tous les outils nécessaires pour pouvoir offrir un meilleur service, un meilleur accompagnement avec toutes les personnes qui je travaille. Mmh. Vraiment être la meilleure, avoir les clés, les outils nécessaires pour être la meilleure dans mes entreprises, en fait. C'est ça. Mmh. Super. Merci beaucoup, Noélie. Je vous en prie. À très bientôt.